Bonjour mes amours, c'est Madame Julie à la bibliothèque. J'ai bien hâte de vous revoir. Alors, j'ai juste pris le temps de faire peut-être une petite vidéo pour vous rappeler, pas des règles nécessairement, mais des façons de une belle conduite quand tu rentrais à la bibliothèque, puis que tout se passe bien, puis que ça soit le fun pour tout le monde. Alors, supposons que tu avais à la maison un livre et que tu reviens en classe calmement avec les amis. Quand tu rentres, tu laisses passer les gens. Quand toi, tu as la place, tu viens placer ton livre. Et si ça va bien, tu es capable de remarquer, il y a un petit code ici en avant. Juste pour aider Madame Julie, si tu le places ici comme ça, c'est plus facile pour moi s'ils sont tous placés, le petit code sur le dessus. Alors, si tu es rendu assez grand pour prendre le temps de vérifier, alors ça te fait une petite responsabilité de plus à la bibliothèque. Ensuite, supposons que toi, le Spider-Man, tu l'aimes tellement, tu voulais le prendre encore. Julie, elle l'a placé ici, entre les deux lignes. Ça s'est écrit réemprunter. Ça veut dire que moi, là, j'ai vraiment envie de reprendre mon livre de Spider-Man. Alors, toujours avec le petit code vers Madame Julie, je laisse mon signet à l'intérieur pour dire que c'est moi qui veux encore ce livre et je le laisse ici. Comme ça, si je suis occupée avec un ami, tu peux toujours le savoir toi-même comment installer ton livre. Supposons aussi que ton ami est Spider-Man, qui veut Spider-Man, je veux dire, et toi, tu as terminé avec. Ce que je te dis, tu enlèves ton signet à toi, tu le conserves. Ton ami, par contre, va rajouter, on va prendre le même cette fois-ci, il va prendre son signet à lui, qui va le mettre ici, et qui va le mettre dans les réempruntés aussi. Comme ça, Mme Julie, elle va savoir que ce livre-là, elle va faire le retour et elle va savoir c'est quel ami qui prend ce livre-là. Comme ça fait moins de mélange quand je suis occupée. Alors, toi, tu vas savoir que ton ami. Alors, tu te souviens, tu rentres calmement, tu déposes ton livre si tu n'en veux plus et puis ensuite, tu prends, si avec un ami, tu veux l'échanger ou tu veux le revoir, ça se trouve à être ici. Ensuite, que tu as fait ton travail de grand. Julie, cette année, elle va installer, vu que vous êtes toutes nos super vedettes, une petite étoile près de toi. Le numéro 1 va commencer comme suit et on va faire la table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'ici. Et si ton numéro est en haut de 10, tu t'assois l'autre table ici à la bibliothèque. On continue les numéros comme toujours ici. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ainsi de suite. Et c'est ton professeur qui va décider à quel numéro que tu dois t'asseoir. Peut-être ça va être ton numéro que tu as dans la classe ou peut-être que le professeur va choisir de te placer à un autre endroit à côté d'un autre ami. C'est comme ça que ça se déroule pour bien rentrer dans la bibliothèque calmement puis que tout le monde en ait tous nos livres. Alors, je vais vous présenter la bibliothèque. Il y en a beaucoup d'entre vous qui la connaissent, mais on va comme se faire un petit rappel pour que ce soit agréable quand vous allez venir. Alors, Julie, elle a toujours conservé les bandes dessinées ici à l'entrée, que tu as besoin. Il y a aussi nos références. C'est les livres qu'on ne peut pas emprunter pour la maison, mais qu'on peut regarder ici avec nos amis. Des fois, c'est parce qu'ils sont un peu lourds. Des fois, c'est qu'ils sont précieux. On préfère les garder ici pour tout le monde. Comme ici, j'avais un petit exemple, une belle encyclopédie là, que tout le monde pourrait emprunter. Tout le monde doit regarder ici à la bibliothèque. Tu vois, il est marqué en gros référence. Ici. Et tu as les petites bandes dessinées qui sont ici. Certains d'entre vous aussi connaissent nos livres-jeux. Je vais les placer un petit peu dans le coin ici. Il y a la lettre jeu ici. C'est des mots, des jeux qu'on cherchait, trouve et compagnie. Bon, j'ai peut-être pas choisi le plus populaire. Alors, on a ça ici. Sinon, quelques-uns d'entre vous ont des cours d'anglais ou parlent un peu anglais à la maison. On en a une petite collection, mais vraiment des bons livres. Parce que si vous connaissez Robert Munsch, on les a aussi en anglais. Alors, ça peut aider ceux qui sont en 6e année en profil anglais. Gênez-vous pas pour en parler avec votre professeur, je suis sûr qu'il va trouver l'idée super. Ici, si jamais vous avez des recherches un petit peu plus personnalisées, Julie, elle a placé tous les personnages assez importants pour nous, Céline Dion aussi.
ou le métro, des trucs ici, des documentaires ou sur les animaux. Les savais-tu? Ça, mes amours, c'est une super collection pour vous, ça. C'est bien écrit, avec beaucoup de détails. On en a aussi des plus petits, pour les petits curieux. Et, un peu plus général, on a toujours les revues. Vous les connaissez peut-être un peu moins, mais c'est toujours agréable de prendre peut-être une petite revue pendant un cours d'une heure. Si t'as pas le temps de lire tout ton livre, tu auras au moins eu quelques sujets. Ça aussi, c'est bien à connaître. On en a plusieurs. Il y a les explorateurs et compagnie. Alors, si vous vous souvenez, on a dit qu'on avait classé les romans ensemble. Alors, ici, dans mon beau parterre, c'est les romans qui sont placés ici. On en a aussi dans les boîtes ici qui sont plus faciles pour toi de choisir ici. On n'a pas besoin. Ils sont pas placés en, sont placés en ordre alphabétique. On va commencer par ici. Pour ça, c'est vraiment nos bons lecteurs. Il n'y a pas vraiment d'image à l'intérieur. C'est vraiment des mots assez... Il faut que tu sois au moins un 4, 5, 6 pour avoir le vocabulaire pour comprendre les mots. Mais s'il y a quoi que ce soit, tu es un très, très bon lecteur. Tu peux toujours demander à ton professeur s'il est possible pour toi de prendre un de ses livres. C'est les professeurs qui décident, en fait, pour cette section-là. Alors, je l'ai oublié de vous dire aussi que dans les livres, on avait vu qu'on a des points rouges, comme je vous disais, mais il y a les 800 et les C-800. Les C-800 sont placés de ce côté, c'est les livres qui sont faits par des Canadiens, des Québécois. Et puis ici, vous aviez le 800 seulement, c'est des auteurs américains, français et compagnie. Alors, vous allez pouvoir prendre ça ici, ils sont placés vraiment... C et 800. Si vous venez ici à l'intérieur, c'est des livres de collection. C'est, voyons, les jaunes, c'est intermédiaire, mais je vous dirais qu'ils sont ouverts à tous, eux, quand même. Là, parce qu'ils ont vraiment beaucoup des beaux sujets, toutes les grosseurs, toutes les grandeurs, toujours placés de A en descendant. B, C, D. C'est tout en lettres alphabétiques, excusez-moi d'avoir. Fait qu'ils sont placés comme ça avec Julie. Alors, on commence, je vais placer un petit, je vais vous en faire un plus beau, de A à Z. Alors, si tu cherches à l'ordinateur, ça va t'aider. Et puis, la cote, comme on disait, c'est toujours avec le nom de l'auteur. Fait qu'on est ici, Dominique Demers. J'ai un bouton jaune, fait par un auteur canadien, alors on a le C, 800 parce que c'est un roman, D-E-M pour Demers. Alors, Dominique Demers, on la retrouve dans les D ici. Cette année, on va avoir une nouvelle façon de prendre les livres. Et lorsque je vais, on va faire un essai, si ça fonctionne bien, ça va toujours fonctionner comme ça. Alors, je prends ce livre, s'il ne m'intéresse pas, que c'est pas celui-là que vraiment que je voulais. Je dois aller le porter. On va avoir un chariot. Je vais le déposer dans le chariot ici. Comme ça, il n'y aura plus de perte de fouineur où on ne cherchera pas qui avait quel fouineur, quel numéro. Il n'y aura plus. On va voir si cette technique est plus facile. Alors, quand tu prends, tu as choisi ton livre et que tu n'as pas la place où que tu l'avais pris. Au lieu de la mettre n'importe où, ton roman, tu viens le porter sur le chariot. Pareil comme les revues, on va mettre une petite place en bas ici. On va pouvoir mettre les revues puis les bandes dessinées. Aussitôt que tu... Bien, les bandes dessinées, je pense, tu vas être capable d'aller le remettre. Mais les romans, Julie, elle aimerait vraiment que vous venez les porter ici. Ça va être plus facile pour moi de leur retrouver la place dans la bibliothèque. Alors, c'est une petite... on a toujours ici, on va avoir les verres. C'est pour les débutants et plus que ça, je vous dirais, Julie, c'est ses préférés parce que quand je viens ici à la bibliothèque, on n'a pas toujours toute une journée, on n'a pas le temps de tomber en amour avec un livre assez plein. On peut choisir des petites histoires. Des fois, on en trouve, je m'excuse, je parle devant. C'est court, c'est facile à lire, ça nous fait pratiquer. Puis, des fois, on peut passer deux, trois histoires. L'important, quand tu viens ici, c'est de pratiquer à lire ou essayer de découvrir quel genre de lecteur que tu es. Peut-être les bandes dessinées, les revues, les romans.
Alors, Julie, je te dirais que là, les jaunes, les verts, là, les mêmes ceux dans les bacs, j'ai des histoires vraiment drôles, ça vous fait du bien, ça a plus d'importance rendu là, la couleur. D'accord? Si jamais aussi vous avez un sujet que vous aimez à cœur, particulièrement, je pense aux petites filles qui aiment la danse. Alors, on a des livres sur la danse. On a des livres aussi sur les hommes forts. Mais tous ces livres sont classés. Je vais juste le remettre parce que je l'ai assez où ce qui va. Sont placés, eux. Sois attentif parce que les romans, je t'ai dit que c'était classé selon l'alphabet de A à Z, tandis que les documents sont placés de 0 à 900. Alors, tu vois, puis le 800 des romans, c'est juste parce qu'ils sont placés ici. Mais si tu me suis bien, je vais te montrer. Alors, ça ici, on appelle ça tous des documents parce que c'est tous des petits sujets précis lorsque tu cherches. Mais ici, on voit pas mal, c'est l'informatique, l'Internet, les questions. Je vais essayer de vous identifier un peu, mais je vais vous montrer aussi comment que c'est placé par thème. Et on a un beau carton maintenant qui va pouvoir vous aider. Puis on voit, on part de 0, 0, ensuite on a 100, on descend un petit peu, on est rendu déjà dans le 300, 200. 400, puis on va changer d'allée ensuite. Pour toujours, c'est toujours des petites sections comme ça, de haut en bas. Alors, tous les sujets sont placés ensemble. Julie, normalement, j'essaie de mettre un petit séparateur pour que quand un sujet que t'aimes, il va être classé ensemble. Si je m'excuse, je vais faire bouger encore. J'ai placé devant mon ordinateur pour que ça soit plus facile pour toi. Puis, je vais te placer d'autres images aussi pour t'aider. Comme ici, on a une petite image d'ordinateur, comme je vous avais montré là-bas. C'est placé de 0 à 100, qu'on pourrait dire. Fait que, tu vois, c'est le thème de l'informatique. Ainsi de suite, la religion, l'histoire, l'environnement, le français, le langage. Ça va être dans le 400, de 480. Alors, ça, c'est pour vous donner une petite idée. Puis encore là, je vais ajouter sur les étagères des petites images pour aider certaines personnes. Les grands, vous allez être capables de lire. Je vais mettre les deux, les images puis les écriteaux. Puis c'est juste pour vous aider parce que dans toutes les bibliothèques où tu vas aller, c'est comme ça que c'est classé. On appelle ça la classification de oui. Pas obligé de retenir ça, mon amour. Mais c'est juste pour que quand tu vas arriver dans une autre école ou à la bibliothèque de la ville, tu vas savoir comme un grand comment toutes les bibliothèques fonctionnent. C'est la partie terminée pour vous présenter. Je pense que quand tu as choisi le livre qui te fait le plus de plaisir, moi, je pense bien que c'est celui-là que j'avais emprunté. Alors, tu prends ton signet. Là, j'en ai pas un vrai avec moi, mais tu te souviens, ton signet va avoir un code barre avec ton nom à l'intérieur qui va être écrit, mettons, Julie, Madame Julie. Là, je vais avoir ça ici. Alors, j'essaie. Si c'est possible pour toi, si tu t'en rappelles, c'est juste une responsabilité de plus pour faciliter tout le monde. Alors, tu mets le code barre de ton signet à la même place que le code barre du livre. Alors, quand Julie arrive pour enregistrer ton livre, ça va être plus facile parce que je vais savoir à qui je prête ce livre et lequel livre. Fait que tout va être bien placé ensemble puis ça va se faire rapidement. Tu vas pouvoir aller à la récréation ou retourner en classe plus rapidement. Alors, moi, j'ai choisi mon livre, j'ai mis mon signet vis-à-vis l'autre, les deux codes-barres ensemble. Et on va avoir ici, à l'entrée, un bac gris que je laisse toujours ici et tu le mets ici. Tu l'as choisi, mais peut-être que la période n'est pas terminée. Tu peux toujours retourner, te promener pour te choisir soit une revue ou une bande dessinée ou un autre roman que la prochaine fois tu vas aimer. N'oublie pas, si tu n'aimes pas le livre ou qui t'intéresse moins, tu as perdu l'endroit et tu n'es pas devant, prends ton livre. Je vais le mettre dans un chariot qui va ici et c'est moi qui vais les classer. Il va y avoir moins de mélange. Puis, tu as toujours le droit de venir voir qu'est-ce qu'un ami a choisi puis qu'il n'a pas voulu prendre. Peut-être que toi, ce livre-là va t'intéresser. Vous allez avoir le droit de venir ici, de prendre les livres qu'il y a là puis de regarder. S'il ne t'intéresse pas, tu le remets là.
Il va en avoir un autre chariot aussi plus loin. Les seuls livres qu'on vous demande, dans le fond, de ne pas toucher, c'est les livres quand vous amenez vos retours, parce qu'il va être encore au nom de l'ami. C'est vraiment... Tout ce qui est sur le bureau de Madame Julie, on ne lui touche pas, mais dans les chariots ici, t'es vraiment le bienvenu. Peut-être que tu vas trouver un coup de cœur dedans. Alors ici, moi, je vais l'enregistrer. Puis, c'est ça. Après ça, quand Julie va l'enregistrer, je vais le mettre ici. Et si jamais tu as besoin de sortir durant la période de bibliothèque, tu demandes à ton professeur. C'est pas Madame Julie la responsable. C'est vraiment, tu dois demander à ton professeur. Et on a toujours un petit permis de circuler. Comme ça, on sait de quel endroit tu viens, s'il arrive quoi que ce soit. Je les laisse ici. J'en ai deux. Aussi, je vais juste prendre le temps de vous montrer le petit coin de l'ordinateur. C'est ici qu'on va l'installer. Alors, ça va juste venir prendre un petit temps pour vérifier ton livre qui t'intéresse, voir un petit peu la description. Tu peux toujours venir demander de l'aide. Ça va toujours me faire plaisir. C'est pour vous donner encore une fois un petit peu plus d'autonomie puis que tu ne sois pas gêné quand tu vas aller soit dans une autre école ou à la bibliothèque de la ville. Alors, je te souhaite une belle année à la bibliothèque et merci mes amours! Bye!